résumé vous est proposé par Heineken. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Deuxième poteau, ouais, mais là il y a du répondant. Historiquement, il y a du répondant dans cette équipe madrilène. Se souvient de la bande à Godin à un moment donné, et là aujourd'hui il y en a encore. Mais cette reprise, elle était belle. Oh, il la croque complètement, Alstenberg. Ah, oui, il était complètement isolé là-bas. C'est assez étonnant de voir un joueur comme cela qui est bien sur son meilleur pied. Cette formule de Ligue des Champions, je ne sais plus qui disait que c'était la formule des 4 C, qu'il fallait un cerveau, du cœur, de la chance et des... Vous voyez ce que je veux dire, c'est Simeone, il en a beaucoup aussi hein, là-dedans. Donc il a même été, vous souvenez, sanctionné pour les avoir montré un petit peu trop. Mais quelque part, c'est peut-être cela qui lui manque avec un Carrasco là. La première occasion, Goulaxi qui sauve cela. Mais franchement, magnifique, magnifique. Regardez cet espace de nouveau. Ça, c'est le problème quand on joue à 3 derrière. Si on perd, évidemment, sur un flanc, un ballon, alors là, il n'y a pas de couverture. Évidemment, il va libérer un peu l'espace en contre, mais ça, c'est inévitable. Ouais, osé, mais quand même, dosé aussi. Oui. Stenberg, où est-ce qu'il va aller? Pas mal, Poulsen. Il faut frapper. Ça se rapproche. Avec. Oui, la voilà. La voilà l'ouverture avec ces Dani Olmo qui vient mettre sa tête. Alors, franchement, en se disant en première mi-temps, sur des grands centres aériens, les défenseurs espagnols avaient été incroyables. Ici, et j'ai le sentiment que Diego Simeone, il va faire un changement très rapidement parce qu'avoir sa tête là-bas, mais en attendant, beau but. Très beau but, Benoît. Oui, très beau but parce que Olmo, dans cette position axiale, pour moi, c'est vraiment le joueur qui est... Regardez comme il est... On le sent libre. Il est complètement libre. Là. Il est entre tout le monde. Allez, on s'est tous replacés déjà du côté de Leipzig. Il s'est remonté. Ils ne sont peut-être pas poussifs, mais ils ne sont peut-être pas non plus, même si ça passe. Et là, de nouveau... Ouais, ça passe, magnifique, magnifique. Et là, il va chercher penalty et là, il va l'obtenir. Il fait la différence. Vraiment, il a fait la différence depuis qu'il est rentré. Il a le comportement neymaresque, ou alors il prend le carton pour la faute, mais il y a bel et bien un penalty. João Félix, le bien nommé, peut-être. Ouais. Il avait frappé comme ça déjà, hein, les précédents. Morata. On va peut-être pas rentrer tout de suite. Tu n'as pas demandé d'aller s'asseoir. Si, si. Mais là, le duel, il est... C'est Diego Costa hein, qui lui remet marre. Ça, franchement, ah, sur 1-2, il est magnifique. Ah oui. Ça joue vite, Carrasco. Il va frapper. Ah oui. On l'a senti partir, ça. Comme il est en forme, il le sent bien. Et vous avez raison, il doit le faire. Trop Félix, dommage là parce que son contrôle était pas mal. Aïdara. Non, un petit peu de chance, ça passe. Et là aussi ça passe. Avec Angelino, le centre qui va arriver là-bas. La frappe maintenant, elle est pas mal. Elle est déviée, c'est but. C'est but. Avec un ballon dévié. Franchement, c'est Aïdara qui va sans doute. Non, Adams, pardon. Adams, oui, oui, qui Adams va donner la qualification. Mais franchement, Benoît, quand on revoit comment ça s'est passé, il y a quand même des coups de bol. On parlait des CCCC. La chance, le cœur. Et puis vous avez ce que je dis, mais franchement, là, il en faut. Parce que regardez, regardez d'où ça vient ici. Là, ce ballon qui tombe un petit peu n'importe comment. Belle ouverture, hein, superbe ouverture. Et alors ce ballon marque. Comment on barre ça? Ça, c'est une. C'est une. Toujours une chose qu'il faut faire du côté de Leipzig, c'est le ballon en retrait. Le ballon en retrait parce qu'il y aura toujours quelqu'un.
il faut bien la toucher là. Il ne faut pas faire de faute, il faut bien la toucher. Il faut aller au but avec un joueur Félix qui a peut-être la balle de match dans la boîte là maintenant avec Upamecano qui est en retard. Rastenberg, il n'y a pas de jeu. Ça y est, Gulaksi. Il est enfin sorti, Gulaksi. Et il y a une faute pour Leipzig. C'est sans doute terminé, mais pour une fois qu'il n'était pas en retard sur une de ses sorties. Et c'est fini, Benoît. C'est fini. Leipzig est en demi-finale et affrontera le PSG. Là, très honnêtement, ça promet. Bravo. Bravo à Julian Nagelsmann. Bravo à cette équipe de Leipzig qui n'a rien lâché alors qu'elle était dans les cordes après l'égalisation madrilène, Benoît. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.